I am extremely proud to unveil today the airplane that you have known up to now as the SMS, an all-new, ultra-efficient, advanced technology large cabin jet, the Falcon 5X. I would like to go for the ceremony and I will ask Serge Dassault and Charlie Delstein to help me to unveil the model of the 5X. Ça y est, le voile est levé. Après 6 ans de dur labeur, Dassault a présenté son tout nouveau jet d'affaires, le plus gros de sa gamme, à la convention annuelle de la National Business Aviation Association le 21 octobre dernier à Las Vegas. Le Falcon 5X a créé la surprise en démentant la rumeur engendrée par ce que laissait supposer son ancien acronyme SMS. Et en effet, l'appareil n'est pas un super mid-size, mais bien un long courrier à large cabine. 2,58 m de large et 1,98 m de hauteur, rien que ça. Et ce n'est pas le seul atout que révèle le Falcon 5X. Autre exclusivité de l'appareil, et pas des moindres, son hublot zénithal appelé Gale Skylight, une petite révolution dans la conception des jets d'affaires. Situé au niveau du galet, l'apport en luminosité devrait ravir les futurs clients. Outre cette nouveauté, l'avion d'affaires pourra transporter jusqu'à 8 personnes et parcourir une distance de 9630 km sans escale. C'est aussi le premier jet d'affaires de Dassault doté d'ailes pourvues de flaperons et est capable d'atterrir à London City. Ce qui au départ se voulait être un appareil d'entrée de gamme se montre aujourd'hui comme l'un des jets d'affaires les plus aboutis. Le Falcon 5X, une surprise d'envergure, ne reste plus à Dassault qu'à remplir son carnet de commandes. Le prix de lancement du jet d'affaires, toutes options comprises, étant estimé à 45 millions de dollars. Mais attention, seules les 30 premières commandes se verront attribuer ce privilège. Le premier vol du Falcon 5X est prévu au premier trimestre 2015 pour une entrée en service début 2017.